Hey, what's up tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare, donc en mode une balle sur la map Biolab en émulation confirmée. Donc pour vous parler de ces dernières informations pardon, que Treyarch nous a donc livrées durant leur petite réunion là. Voilà, donc le 26 avril. Donc aujourd'hui on est le 27. Donc je vous fais une vidéo concernant ces informations là. Donc il y aura trois modes de jeu, donc le mode multijoueur, donc comme tous les Call of, un mode zombie et un mode campagne. Donc on nous informe aussi que dans le mode campagne, nous pourrons la faire à 4. Donc ce sera un mode campagne multijoueur en fait. Ça sera un peu des deux. Donc on fera la campagne à 4 au lieu de la faire solo, ça tombe bien. C'est toujours mieux de la faire à 4. Ensuite, on nous informe que Black Ops 3 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Donc je vous ferai une information pour les prérequis du PC. Concernant le PC, les configurations du PC et tout. Donc cette version, donc Black Ops 3, ne sera pas disponible sur PS3, Xbox 360, Wii et DS. Donc je pense que la Wii et DS, vous en doutiez. Par contre, PS3, Xbox 360, c'est un peu dommage pour ces joueurs-là. Pour les joueurs PS3, Xbox 360. Voilà. Donc j'espère vraiment que vous aurez tous la PS4 et Xbox One d'ici là. Donc on nous informe que ce sera un Call of Duty dans le futur. Donc ce sera un Call of Duty futuriste. Donc ce sera un peu comme Call of Duty Advanced Warfare. Donc personnellement, s'il est comme ça, moi ça va être mon kiff, Black Ops 3. Après on nous a informé, on a vu quelques photos de l'exosquelette sur Black Ops 3. Donc c'est un peu pareil que sur Advanced Warfare. Donc je pense que ça va être un super Call of. Ensuite, donc je vous comme j'ai dit, je vous referai une vidéo concernant les prérequis PC. Et enfin, Treyarch nous a donné une dernière information, donc la date de sortie officielle de ce Black Ops 3. Donc la date sera le 6 novembre 2015, donc fin des 20. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Donc fin d'année 2015, voilà, je vais y arriver. Donc le 6 novembre, donc un peu comme tous les Call of, donc Advanced Warfare est sorti aussi le 6 novembre, je crois, hein, il me semble. Bon voilà, enfin bref, ça sera en fin 2015. Bon les gars, je vais vous laisser ce gameplay sous musique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.